Photo, Karine Ferry. La jeune maman a déjà retrouvé la ligne quelques semaines après la naissance de sa fille et à peine 3 semaines après son accouchement, Karine Ferry semble avoir déjà retrouvé la ligne. Elle n'hésite d'ailleurs pas à afficher sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux. Le 16 juillet dernier, Karine Ferry donnait naissance à la petite Claudia, son deuxième enfant après Maël, 2 ans, fruit de ses amours avec le footballeur Johan Gorcuff. L'accouchement s'est déroulé à la clinique de Saint-Grégoire à Rennes où son compagnon évoluait en tant que milieu offensif avant de rejoindre Dijon cette saison. Elle a d'ailleurs tenu à rendre hommage récemment à toute l'équipe médicale. Après tant d'émotions, tant de bonheur, je remercie du fond du cœur la clinique Saint-Grégoire à Rennes pour leur bienveillance, leur accueil, leur patience et leur gentillesse, avait-elle ainsi écrit en légende d'une photo de cette équipe, postée sur son compte Instagram. Mais voilà, 3 semaines à peine après son accouchement, Karine Ferry semble avoir retrouvé la ligne et affiche déjà une silhouette parfaite. C'est ce que l'on peut constater sur une photo qu'elle vient tout juste de publier sur sa story Instagram. En ce temps de canicule, il n'a rien de mieux, pour se rafraîchir, que de plonger dans une piscine. Karine Ferry prend donc la pose en bikini, le corps immergé dans l'eau et les bras accoudés au rebord. 40 degrés, précise-t-elle d'ailleurs sur un autre cliché où l'on découvre ses longues jambes bronzées. Alors qu'elle a visiblement retrouvé la forme, Karine Ferry profite de ses vacances bien méritées avant d'aborder une rentrée plus que chargée sur TF1. La jolie brune reprendra en effet son rôle dans The Voice Kids et la 8e saison de The Voice. Mais elle épaulera également Camille Combal à la présentation de la 8e saison de Danse avec les Stars. Crédit photo, Denis Guignebourg, Bestimage. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Karine Ferry.